Nous allons poursuivre notre série d'enseignements relatifs aux ministres et au ministère de la Nouvelle Alliance. We are going to continue our series of teaching related to the ministers and the ministry of the New Covenant. Nous sommes en train de voir comment les croyants doivent se comporter quand ils connaissent la volonté de Dieu. We are studying how believers must behave when they know the will of God. La volonté de Dieu les concernant. The will of God concerning them. Nous avons vu qu'il faut t'asseoir. We saw that you must sit down. Pour planifier. In order to plan. Pour régler ta vie. To set your life. Pour la rendre conforme au dessein de Dieu pour toi. To comply your life to the goals of God for you. Il faut agir en tenant compte de la prophétie de Dieu nous concernant. You must act taking into account the prophecy of God concerning you. Nous avons vu que ceux qui ont arrangé leur vie, ceux qui ont planifié leur vie, conformément à la pensée prophétique, ont réussi. We saw that those who have planned their life, complying themselves to the prophetic thought, have succeeded. Nous avons même vu comment Jacob a utilisé la vision divine. We even saw how Jacob used the divine vision pour obtenir son salaire. In order to obtain his wage. Parce que Dieu lui avait montré comment les brebis, comment les boucs et les brebis s'accouplaient et comment les tâches, les rayés étaient conçus dans les seins de leur mère. Because we saw how God showed him how the goats and the ram went together and how the stripes came on those who were born from them. Et quand Laban a enlevé les boucs rayés, les brebis rayées, tachetées, marquetées. And when Laban removed the striped rams and goats, David a créé des conditions pour que la vision de Dieu soit accomplie. Jacob created the condition for the vision of God to be fulfilled. Il a cru que la perception visuelle, he believed that visual perception, peut influencer la formation des gènes dans les seins des brebis. Can influence the formation of genes in the goats. Donc, il a créé une méthode qui demeure sa méthode jusqu'à ce jour, le conditionnement prénatal. He created a method that remained his own method up to this day. That is conditioning before birth. Et Dieu a béni ses efforts. And God blessed his efforts. Ses recherches scientifiques, Dieu les a bénies. God blessed his scientific researches. Et il est devenu riche. And he became rich. Quand tu connais les desseins de Dieu, when you know the goals of God, pose les actes qui montrent que tu sais ce que Dieu t'a dit. You must take actions that show that you know what God has told you. Pense comme quelqu'un qui sait où il va. You must think as someone who knows where he's going. Planifie la vie comme quelqu'un qui sait où il va. Plan life as someone who knows where he's going. Étudie la parole comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait. You must study the word of God as someone who knows what he's doing. Si tu oublies ce que Dieu a dit à ton sujet, if you forget what God has said concerning you, tu vas poser des actes inconséquents. You will be taking action without any consequence. Tu
Tu vas agir comme un insensé. You will act as a fool. Ce soir, tonight, nous allons examiner le cas de Samson. We are going to examine the case of Samson. Quelqu'un nous lise le chapitre 13 de Juges. Someone is going to read for us chapter 13 of Judges. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoach dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'offrir un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombaient la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors, Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, « Nous allons mourir quand nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir,
Ils n'auraient pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Et nous ne nous aurions pas fait voir tout cela. Et nous ne nous aurions pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makané Dan, entre Soréa et Eshtaol. Amen. Commençons en disant que Samson était un Nazirien. Let's start saying that Samson was a Nazirite. Il y avait deux types de Naziriens. There were two types of Nazirites. Il y avait ceux qui se consacraient temporellement et ceux qui étaient Naziriens perpétuellement. There were those who were consecrated for a certain time and those who were consecrated forever. Mais le Naziriat de Samson était permanent. But Samson as a Nazirite was a permanent Nazirite. C'est-à-dire, Naziria veut dire mis à part, quelqu'un qui est mis à part. C'est un vœu de sanctification en quelque sorte. Un vœu de mise à part pour l'Éternel. It is a vow of sanctification in order to be set apart for the Lord. D'une façon totale, radicale. In a total and radical way. Vous notez ceci. Write this. Le terme Naziria, the term Naziria désignait mis à part, meant set apart, et consacré à l'Éternel d'une façon totale, and consecrated to the Lord in a total way. Vous notez que cette consécration pouvait être temporelle ou permanente. Note that it could be temporary or permanent. Comme nous avons lu dans Juges 13, verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. As we read it in Judges 13, verse 5. For behold, you shall conceive and bear a son, and no razor shall come upon his head, for the child shall be a Nazirite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Il s'agissait donc d'un engagement volontaire. This was a willing commitment. C'est-à-dire un engagement que prenait un croyant, un enfant d'Israël, volontairement, découlant du cœur sincère. It was a commitment taken by a Nazirite, coming from his heart, deeply down from his heart, deliberately. Un cœur dévoué. A heart that is consecrated, devoted. Et cela montrait ou enseignait un modèle d'attachement à Dieu. This showed a model of attachment to God. Un modèle de fidélité à Dieu. This was a model of faithfulness to God. Dans le but de sanctifier Dieu, de sanctifier le nom de Dieu. In order to sanctify God and his name. Ça renseignait sur le style de vie de Dieu. Le style de vie que le Seigneur aime, que le Seigneur désire. This informed us about the style, the way of life desired by God. Donc c'était un exemple concret de la sanctification dans l'Ancien Testament. So it was a palpable example of sanctification in the Old Testament. Comme nous avons dit, c'était le fruit d'un cœur sans partage, d'un cœur consacré entièrement à Dieu. It was the fruit of a heart which was not shared, a heart that was totally consecrated to God. Alléluia. Praise the Lord. Donc, il y avait un engagement.
So there was a commitment. Il y avait un style de vie. And there was a lifestyle. Il y avait un régime spécial. And there was a special regime. Qui sanctifiait Dieu. Which sanctified God. Dans Nombre 6, verset 8. In Numbers 6, verse 8. Lis-nous ce verset. Read for this verse for us. Tu lis le verset 6, Nombre 6, verset 8 et Nombre 6, verset 14. You read for us Numbers 6, verse 8 and Numbers 6, verse 14. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Verset 14. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Amen. Une étude attentive de ces versets montre que, et notez ça très bien. Not this well. C'est-à-dire que quand tu accomplissais le vœu du naziréat, when you did the vow of separation, les éléments de sacrifice que Dieu te demande sont les mêmes qu'il demande au souverain sacrificateur. The different sacrifices that God requires for it from you are the same that he requires to the high priest. Donc, c'est un vœu qui rapprochait de Dieu. So it was a vow that took you near God, qui élevait même la personne qui l'accomplissait, which raised the person that was fulfilling this vow. Hallelujah. Praise the Lord. Ceci veut dire, it means, que pour Dieu, for God, that for God, ce qui compte, what matters, ce n'est pas l'âge, it's not your age, ce n'est pas le diplôme, it's not your diploma, c'est pas le rang familial ou le rang dans l'église, it's not your rank in your family or your rank in the church, c'est le niveau, it's the level de consécration à lui, of devotion to him. Il y a un niveau de consécration. There is a level of consecration. Qui peut faire d'un homme du peuple un souverain sacrificateur. Which can make of a man of the people a high priest. Le vœu du naziréat pouvait être accompli par n'importe qui en Israël. The vow of separation could be fulfilled by anyone in Israel. Il y avait des règles pour observer. There were rules to observe that. To observe. Si tu touchais un mort, if you touched a dead body, c'est annulé. It is cancelled. C'était une période de sainteté. It was a period of holiness. Sanctification. Of sanctification. De consécration. Of consecration. Et n'oubliez pas, frère. And do not forget, brother, que par rapport à nous, c'est la même chose que Dieu a appliqué. That is the same thing that is applied by God. Le Seigneur Jésus s'est donné lui-même. The Lord Jesus gave himself. Il n'a pas donné l'argent. He did not give money. Il n'a pas donné l'or. He did not give a gold. Et la parole de Dieu nous demande de nous donner nous-mêmes. But the word of God requires us to give ourselves. C'est comme nous, notre consécration à Christ nous a élevés au rang du souverain sacrificateur. Dieu veut nos corps et nos âmes sur l'autel comme le corps de son fils sur l'autel. Et dans Luc chapitre 22 verset 24 à 30, and in Luke chapter 22, reading from, c'est la même chose que Jésus enseigne. From verse 24 to 30, ses disciples voulaient savoir qui était le plus grand parmi eux. His disciples wanted to know who was the greatest among them. Et il leur enseigne que le plus grand, and he taught them that the greatest, c'est celui qui se consacre, qui se sacrifie pour servir les autres. Is the one who consecrates himself, who sacrifices himself to serve the others. Hallelujah. Praise the Lord. Donc, il y a la volonté. So there is the will. Manifeste de se dépouiller, de s'humilier, that, de se rabaisser. There is the will to get down, to humble yourself and to get rid. Pour servir les autres. In order to serve the others. Et c'est ça qui élève devant Dieu, c'est cette position-là qui est glorieuse devant Dieu. And it is that position that is glorious before God. Donc ce qui est important, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. So what is important is not what we are doing, but what we are. Parce que tu peux faire étant zéro.
Because he can be doing, but being not. Mais quand tu es Nazaréen, but when you are a Nazarite, tes actes ont du poids. Your actions are heavy aux yeux de Dieu. In the eyes of God. Le vœu du Nazaréen, the vow of Nazarite, est une disposition qui nous enseigne que le chemin de la promotion est ouvert devant chaque homme. Is a disposition that teaches us that the way to promotion is open to anybody. Vous soulignez ça très bien. Underline this well. Pour devenir grand, to become great, il n'y a pas de concours. There is no contest. Dieu montre le chemin à tout le monde. God shows the way to everybody. Tout le monde, quiconque emprunte cette voie devient grand devant Dieu. Anyone that takes that way becomes great before God. Dieu ne fait exception de personne. God shows no partiality. En lui, il n'y a pas de favoritisme. In God, there is no partiality. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu sait comment convertir nos efforts. God knows how to convert our effort. Chacun doit avoir une communion intime avec lui. Each one must have an intimate fellowship with God. Après cette brève présentation du vœu du Nazaréen, after this brief presentation of the vow of Nazarite, examinons donc comment Samson s'est géré en tant que Nazaréen. We are going to see how Samson managed himself as a Nazarite. Est-ce qu'il a tenu compte de son statut? Did he take into account his stature? Est-ce que dans sa conduite, il a tenu compte du fait qu'il était consacré depuis le sein de sa mère à Dieu? Did he take into account the fact that from his mother's womb he was consecrated to God in his lifestyle? Est-ce qu'il est devenu ce que Dieu voulait faire de lui? Did he become what God wanted to make of him? Est-ce qu'il a réussi? Did he succeed? Lis-nous Nombre 6, verset 1 à 6. Read for us Numbers 6, reading from verse 1 to 6. D'abord Juges 13, et puis tu lis Nombre 6. Les enfants d'Israël... Non, commence au verset 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Lis maintenant Nombre chapitre 6, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boisson enivrante. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Nazaréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son Nazaréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Verset 6. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Alléluia. Donc vous voyez que
Dieu a donné des conditions claires pour quiconque devait observer ce vœu-là. So you can see that the Lord has given clear conditions for anyone who was to observe the vow of separation. Donc, même la maman, la mère de Samson, devait remplir les conditions d'une Nazarien, parce que dans son sein se trouvait un homme, un enfant consacré à l'Éternel. Even the mother of Samson was to observe these rules because in her womb was a baby consecrated to the Lord. Donc, si nous examinons bien, so if we take a close look, Dieu avait prévu que Samson allait diriger Israël toute sa vie rempli du Saint-Esprit pour délivrer le peuple, pour débuter la délivrance. God has planned for Samson to start deliverance of Israel all his life. Après une longue période d'esclavage. After a long period of bondage. C'est le premier que Dieu introduisait pour démarrer la délivrance d'Israël avec la puissance du Saint-Esprit. He was the first one that God brought to start the deliverance of Israel with the fullness of the Holy Spirit. Dieu avait prédestiné Samson. So God predestined Samson à être rempli du Saint-Esprit, to be filled with the Holy Spirit, sanctifié, sanctified, mis à part, set apart pour la délivrance d'Israël, for the deliverance of Israel. Et le ministère devait être perpétuel, permanent. And his ministry was to be permanent. Il devait être revêtu du Saint-Esprit. He was to be endowed, empowered with the Holy Spirit. Et pour ceux qui ont encore des problèmes concernant le vin, for those who still have problem with wine, la pensée profonde de Dieu, the deep thought of God, c'est ne touche pas à l'alcool, is don't touch alcohol. Si tu es fou, bois. Va, il y a les maquis là, va boire. If you are a fool, then there are pubs there, you can go and drink. Mais si tu es un prince de Dieu, ne touche pas. But if you are a prince of God, do not touch. C'est une question de choix. Tu sais qui tu es. It's a question of choice. You know who you are. On n'impose pas la sanctification. We don't impose sanctification. Si tu penses que tu es un enfant de Dieu, if you think you are a son of God, attention. Take heed. Laisse les philosophies sur le vin. Leave aside all the philosophies. Vis comme un Nazarien. About wine and live as a Nazarite. Et ce que les gens cherchent à travers le vin, le Saint-Esprit va te donner ça chaque jour. And what people are seeking through wine, the Holy Spirit will be giving it to you every day. La joie, la plénitude, la sagesse, l'intelligence. Joy, intelligence, wisdom, fullness. Si tu es malade, on te pose les mains, tu vas guérir. If you are sick, we lay hand on you and you will be healed. Amen. Say amen. Et si tu as mal au ventre, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. And if you have a pain in your belly, in the name of Jesus, you are healed. Tu n'as plus besoin de bière. You no more need beer and Guinness. Un frère m'a dit, il a eu mal au ventre, il est parti boire une Guinness. Je lui ai demandé, mais quelle est la pensée qui t'est venue que ce mal que tu avais là allait finir par la Guinness? A brother told me that he had a pain in his belly, he went to drink Guinness. And I asked him, what thought did you have when you were going to take that drink, thinking that you would be healed? Ça veut dire qu'il voulait, quand il voyait une bouteille de Guinness, il contemplait. It means that when he saw a bottle of Guinness, he contemplated it. Il convoitait. He desired it. Et un jour, and one day, une occasion s'est présentée. An opportunity showed up. Il a bu. And he went to drink. Mais le Saint-Esprit ne l'a pas laissé. But the Holy Spirit did not leave him. C'est pour cette raison que je suis au courant. That's why I am aware of it. Hallelujah. Praise tu the es Lord. Nazarien. Tu es Nazarien. You are a Nazarite. You are a Nazarite. Hallelujah. Ce que le Seigneur sanctifie lui-même, those the Lord sanctify himself, ceux-là doivent rester calmes devant lui. Those one must be at rest. Samson était sanctifié.
par Dieu mis à part. Samson was sanctified by God and set apart. Mais il ne s'est pas conformé à la vision, à l'appel de Dieu pour lui. But he did not comply himself to the vision and to the call of God for him. Il devait être attiré par les choses d'en haut. He was to be attracted by things from above. Il n'a pas étudié les voies de Dieu. He did not study the ways of God. Ses parents ont étudié les voies de Dieu. His parents studied the ways of God. Ses parents avaient demandé à l'ange, dis-nous tout ce qu'il faut que nous observions pour que cet enfant naisse et qu'il accomplisse le dessein de Dieu. His parents asked the angel, tell us all everything we must do for us to observe and for this child to fulfill the goals of God. Et je suis sûr que ses parents lui ont enseigné ces choses-là. And I'm sure his parents taught him these things. Ils lui ont raconté son histoire. They told him his story. Il savait qu'il devait délivrer Israël. That he was to deliver Israel. À un moment donné, at a moment, l'Esprit a commencé à se manifester. The Spirit of God started manifesting. Et l'Esprit l'agitait entre Makanedan et Staon. And the Spirit was moving him between Makanedan and Staon. Et ça veut dire que l'Esprit l'utilisait. It means that the Spirit was using him. Il voulait maintenant se marier. Now he wants to be married. Il a violé toutes les lois de Dieu sur le mariage en Israël. He broke all the rules of God about marriage in Israel. Il est parti prendre une fille des Philistins. He went to take a lady among the Philistines. Il est vrai que la volonté de Dieu était qu'il provoque la guerre. It is true that contre les Philistins, c'était la volonté de Dieu. It was true that it was the will of God for him to go and provoke war. Mais la volonté de Dieu n'était pas qu'il aille épouser une fille des Philistins et que la querelle vienne par un faux mariage. But it was not the will of God for him to go and marry girls from the Philistines to start war through a false marriage. Dieu voulait qu'il provoque les Philistins. God wanted him to provoke the Philistines. Là, ça venait de Dieu. Cette attitude d'hostilité venait de Dieu. This attitude was from God. Mais le choix de cette femme, but the choice of that woman, était contre la loi des Nazaréens. Was against the law of the Nazarene. Et puis en allant, il a tué le lion. And when on the way he killed the lion. Un autre jour, il a vu le miel dans le cadavre du lion. Il a pris, donc il a touché le cadavre du lion. Et puis il a pris le miel, il a mangé. Another day he was passing by, he went to touch the carcass of the lion and took honey and ate. Et il ne s'est pas arrêté là. And he did not stop there. Il n'a pas contrôlé ses appétits sexuels, sa libido. He did not master sa sensualité. His sexual desires. Il a commencé à chercher les prostituées. He started seeking, lying with the prostitutes. Il est tombé sur une prostituée appelée Dalila. And he fell on a prostitute called Dalila. Donc, Samson a oublié qu'il devait être permanemment rempli du Saint-Esprit. Samson forgot that he was to be filled with the Holy Spirit permanently. Et là-bas, il restait une chose qui le gardait encore. And there, ses cheveux. There was still one thing which kept him, his hair. Et c'est là-bas, chez Dalila, qu'il a donné le secret de sa puissance. And it is there, at Dalila, that he gave the secret of his power. Il a dit, rasez mes cheveux. He said, cut my hair. Et on a rasé ses cheveux. And they cut his hair. Il est devenu impuissant, faible. On a crevé ses yeux. On l'a lié. He became powerless, weak, and they made him blind and bound him. Nous devons tout faire. We must do everything we can pour nous comporter comme des Nazaréens. To behave like Nazarites. Nous sommes les Naziriens. We are Nazarites de Jésus-Christ. Of Jesus. Ne faisons pas comme Samson. Let us not do like Samson. Samson est tombé. Samson fell.
L'ennemi, c'est les mêmes choses. Le Seigneur me faisait comprendre que tous ceux qui s'amusent vont tomber entre les mains des principautés. The Lord made me understand that all those who are joking will fall within the hands of principalities. Que personne ne nous trompe. Let no one deceive us. Un Nazirien, a Nazirite, est un homme mis à part. Is a man set apart. Il a même le rang du souverain sacrificateur. He even have the position of high priest. C'est-à-dire quand la parole dit que Jésus nous a fait asseoir avec lui, c'est pas le mensonge. When il nous a élevés et il nous a fait asseoir au même niveau que lui. When the word of God says that Jesus has lifted us up and made us sit at the same level as him, it's not a lie. Et il a prié. And he prayed. Il dit, il faut que ceci soit là où je suis. He said, let those ones be where I am. Dis, je suis un Nazirien. Say, I am a Nazirite. Dis, je suis consacré à l'Éternel. Say, I am consecrated to the Lord. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Alléluia. Et écoutez, frère. Listen carefully, brethren. Les jeunes gens, young men, qui font pression, pourquoi on nous dit de nous marier seulement, pourquoi on nous dit de nous marier. Who make Faites pressure. Attention. Who make pressure, saying, why do they tell us to get married? Si tu es consacré à Dieu, if you are consecrated to God, ne tente pas d'épouser quelqu'un qui n'est pas consacré. Do not tempt, do not try to marry someone who is not consecrated. Tu fais ta vraie repentance. You go through true repentance. On te baptise. You are baptized. Et on te bâtit comme disciple. And you are made a disciple. Et tu te lèves. And you rise up. Tu vois une Moabite. You saw a Moabite. Tu dis, c'est elle. And you say it is her. Que Dieu dit de nous aimer les uns les autres. God told us to love one another. Pourquoi nous les jugeons? Why do we judge them? Ce n'est pas ça le problème. C'est est-ce que tu sais qui tu es? This is not a matter. Do you know who you are? Si tu as caché. Si tu es Moabite et tu as caché, là c'est possible. Tu fais ce que tu es en plein jour. If you are a Moabite and you have hidden it, this is possible. You can do what you want daily. Mais si tu es un enfant d'Israël, but if you are a son of Israel, ne cherche pas les Moabites. Do not seek the Moabites. Ne cherche pas les Édomites. Do not seek the Edomites. Ne cherche pas les Philistins ou les Philistines. The Philistines. C'est ça qui est la vérité biblique. This is the truth from the Bible. Quand les gens veulent désobéir, ils ferment les yeux, ils lisent ces versets avec les yeux fermés pour que ça ne les touche pas, de peur que ça ne les touche. When people want to disobey, they skim the verse, they don't read it deeply for the verse to touch them, to move them. Je vais vous lire ce sur quoi je méditais. I'll read to you what I meditated on. La première étape de la sanctification consiste à connaître ce que Dieu dit lui-même de ses enfants. The first step of sanctification consists in knowing what God himself says about the sanctification of his children. De son œuvre. Of his work. De ses voies. Of his ways. Afin de se conformer à ses volontés révélées. In order to comply to his revealed will. Dieu aime ses enfants et il se révèle à eux. God loves his children and he reveals himself to them. Même dans leur état de déchéance. Even in a way of the falling. Il veut les relever. He wants to rise them up. Il faut une saison de Nazaréen. Il faut une saison de Nazaréen. There should be a season of Nazarite.
Par cette saison-là, pendant cette saison-là, during that season, chacun s'efforcera à revenir à la place de sa première consécration à Dieu. Each one must make an effort to come to the place of his first consecration to God. Cela est important et salutaire. This is very important. Si nous revenons au Seigneur, if we come back to the Lord, le Seigneur reviendra à nous. The Lord shall come back to us. Il y a beaucoup de vieillissements. There are much getting. I mean, people are getting older. Il y a beaucoup de rides. And there are many wrinkles. Il faut une mise à part perpétuelle. We must be set apart in a permanent way. Le Seigneur est grand. The Lord is great. Il ne nous abandonne pas. He does not abandon us. Mais il veut un peuple qui lui appartienne en esprit et en vérité. But he wants a people who belong to him in spirit and in truth. Il a multiplié les signes. He has multiplied the signs pour que nous sachions qu'il est là. For him to know, for us to know he is qu'il there. Nous aime. That he loves us. Qu'il veut marcher avec nous. That he wants to walk with us. Et travailler avec nous. And work with us. Nous devons en retour. We must in turn sanctifier sa personne, sa présence. Sanctify his presence. Nous devons nous mettre à part. We must set apart et faire en sorte que nos vies et nos conduites, ou plutôt notre conduite, glorifie son saint nom. So that our behavior, our attitude glorifies his holy name. C'est-à-dire que il faut d'ici la fin de l'année, it means that from now to the end of the year, c'est une saison, it's a season, où si tu es un Samson, if you are a Samson, qui a déjà dit à Dalila que j'arrive, who has already told Dalila that I'm coming, tu arrêtes. You stop. Dieu va te bénir. God will bless you. Si tu as déjà bu un verre de vin, if you have already drunk a glass of wine, casse la bouteille. Break the bottle et rentre dans la maison de ton père. And come back into the house of si your father. Continues, if you continue, tu auras les yeux crevés. They will break your eyes. Parce que quand toutes les principautés qu'on attaque vont te trouver, quand tu vas tomber entre leurs mains. So all these principalities that we are attacking, they will trouble you because you fall within the hand. Voici l'homme qui nous dérange dans la famille. They will say, here is the man who is disturbing us in the family. Ils vont t'attraper. They will catch you. Crever tes yeux. And they will break your eyes. Jeté en prison. Cast into the in jail. Et Samson est mort précocement. And Samson died of an early death. Il était encore fort. He was still strong. Physiquement vigoureux. He was vigorous physically. On l'a attaché, on l'a enchaîné. They tied him. La nourriture. Food. Le mariage. Marriage. Les femmes. Women. Il est tombé. He fell. Il n'a pas su bâtir sa vie comme l'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts. He did not succeed in building his life as the apostle Paul said that make all your efforts pour affermir votre vocation. To strengthen your call. On n'a même pas vu Samson travailler un peu seulement pour être comme un Nazirien. We could not even see Samson making effort to be like a Nazirite. Dieu ne force personne à garder la morale de Dieu, la morale divine. God does not force anybody to keep a divine moral. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu peut te donner tous les dons spirituels. God wants to give you all the spiritual gifts. Il peut te donner tous les talents. He can give you all the talents. Il peut nous exhorter.
He can exalt us. Il peut se manifester. He can manifest himself. Pour que nous sachions qu'il est là. For us to know he's around. La réponse à tout cela, the answer to all these, doit être notre consécration personnelle. Must be our personal consecration. Et volontaire. And deliberate. Volontaire. Deliberate. C'est aujourd'hui, ça me faisait comprendre que tout ce qu'il nous a montré, c'était pour nous dire, je veux travailler avec vous. The Lord made me understand today, the Holy Spirit opened my mind to understand today that all that he was doing was quand to tell us that he wants to work with us. Quand les anges descendent dans les familles, guérir les gens, je veux dire, je suis là, travaillons. Si nous sommes comme Samson, nous avons perdu. When angels come down in families and heal people, God just wants to tell us that I am there, let's work. But if we are like Samson, then we have lost. Si tu as l'argent dans ta poche, discipline la dépense. If you have money in your pocket, you have to be disciplined in your expenditure. Je dis pas donne à Dieu, je dis ton argent même. Pour dépenser, il faut te discipliner. I'm not saying give it to God, but your own money, to spend it, you must be disciplined. Ton temps. Your time. Gère-le comme un Nazirien. Manage it as a Nazirite. Comme un homme consacré. As a consecrated man. Dormir devant la télévision, tu as peur, c'est toi qui perds, ce n'est pas Dieu. Sleeping, il ne te force pas. Sleeping before TV, you are the one who loses. Il y a des choses que tu n'auras jamais. There are things you will never have. Et puis les Philistins vont t'arrêter. And the Philistines will catch you. Et ils vont te crever les yeux. And they will break your eyes. Si tu as vaincu l'adultère, ils vont envoyer le prince de la télévision. If you have overcome adultery, that will bring the prince of TV. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Each one is a slave of what has overcome him. Si tu es sexy, ils envoient la principauté de sexy. If you are, il t'attrape, il te crève les yeux. C'est le même résultat. Quel que soit le prince qui vient, première action, on t'arrête, on perce tes yeux, on t'attache, on jette en prison. Whatever the prince that came, their first action, they catch you and break your eyes. And they cast you into prison. Tu ne vois plus rien, tu n'entends rien. You can see nothing anymore and hear anymore. Tu es en captivité. You are in captivity. Je recevais dans mon esprit. I received in my spirit. Que si nous entrons dans une saison de Nazaréen. That if we get into a season of Nazarite. Où chacun laisse son esprit s'attacher à Dieu. In which each of us let his spirit be bound to God. Où chacun se débarrasse des souillures. Where in which each one get rid of uncleanness. L'apôtre Paul dit, sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Apostle Paul said that his divine Pierre. Apostle Peter said that his divine power has given us everything that contributes to holiness and godliness. Et dit, c'est pourquoi faites tous vos efforts. And that's why make all your effort pour ajouter à la foi la vertu. In order to add to your faith virtue, il faut combiner les vertus jusqu'à ce que tu deviennes fort en Christ. You must pile up virtues until you become strong in Christ. David révèle le secret. Il dit que Dieu lui a révélé le secret pour avoir une dynastie perpétuelle. David said that God revealed him the secret in order to have an everlasting dynasty. 2 Samuel 23. Verset 1 verset 7. Verset 1 à 7. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. De loin du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël, l'Esprit de l'Éternel parle par moi,
et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place. Amen. Dieu lui a montré le secret. God showed him the secret. Règne avec justice. He says, reign with justice. Et puis crains Dieu. And fear God. Tu auras un règne éternel. You shall have an everlasting reign. Et il a révélé le secret. Et il a vécu comme ça. And he lived that way. Il ne se vengeait pas. He does not avenge himself. Il savait que Dieu exerce la justice. He knew that God worked justice. Il a vécu dans la crainte de Dieu. He lived in the fear of God. Et Dieu a accompli la promesse. And God also fulfilled the promise. Hallelujah. Il y a toujours une alliance. There's always a covenant. Là où tu es assis, il y a entre toi et Dieu une alliance. Where you are sitting, there is a covenant between you and God. Tu sais ça dans ton esprit. You know that in your spirit, in your mind. Tu sais ce que tu ne dois pas faire. You know what you must not do. Tu sais ce que tu ne devais pas faire. You know what you were not to do. Et quand tu as fait, and when you does it, you do it. Tu as perdu le repos. Then you lose rest. Quand tu dis j'arrête, when you say I stop, la paix revient. And you regain peace. Il lui a dit ne sois pas méchant. He said do not be wicked. Les méchants sont comme les épines. Wicked are like thorns. Hallelujah. Praise the Lord. Si toi tu as oublié ce que Dieu t'a dit, c'est une erreur. If you have forgotten what God told you, it's a mistake. David n'a pas oublié. David did not forget it. Samson a oublié. Samson forgot it. Lis-nous Juges chapitre 16 verset 19 et 20. Read for us Judges chapter 16, reading from verse 19 to 20. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Non, lis d'abord le verset 1. Juges chapitre 16, verset 1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Lis le verset 6. Delila dit à Samson. Donc lis d'abord le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Lis le verset 6. Delila dit à Samson, dis-moi, je te prie. Acclamons pour Jésus. Oui, continue. D'où vient ta grande force? Avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Vous voyez, le diable commence à travailler ouvertement. Où vient ta grande force? Frères, si nous voulons remporter la victoire, brethren, if you, we want to be victorious, il faut que tous les schémas de Samson soient éliminés. All the ways of Samson must be eliminated. Publié
une saison de Nazaréen spirituel. Publish a season of spiritual separation. Parce que nous sommes de la nouvelle alliance. Because we are of the new covenant. Mais Dieu ne change pas. But God does not change. La Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. The Bible says that these things happened to them to serve us as examples. Et que elles ont été écrites afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs que les autres. And that these things have been written for us not to have the same desires as the others. C'est-à-dire quand le démon arrive, it means that when the demon comes, c'est d'abord d'où vient ta force, il veut prendre ça. First of all, the question is where is your strength from? He wants to take it. Si ta force est dans la communion fraternelle, la première chose c'est de te séparer des frères. If sans même te toucher, sans te rendre malade, il ne prend pas ton argent, il ne te touche pas. Si tu veux même l'argent, il peut te t'en donner. If your strength is in brotherly fellowship, the first thing is to separate you from the brethren. Devenons des vrais disciples. Let become true disciples. Samson est mort. Samson died. Il ne s'est pas conformé à la vision. He did not comply to the vision. L'ennemi n'est pas allé le chercher. C'est lui-même qui est allé chercher l'ennemi. It's not that the enemy went to seek him. He is the one who went to seek the enemy. C'est lui-même qui allait chez les prostituées. He himself went to the prostitute. Personne ne pouvait battre Samson. No one could beat Samson. Personne. No one. Dieu lui avait donné ça cadeau. God gave him free. No one could defeat him. La première fois, il a arraché les battants de l'entrée. The first time, de la muraille. The first time, il a posé ça sur son épaule, il a traîné ça à une longue distance pour montrer que faites attention. He removed the pillars of the wall and just to show the other people that pay attention. Tout ce que les gens pouvaient faire, c'est de se cacher tout le temps en attendant le jour où lui-même allait donner son secret, lui-même. All people could do was to hide all the time until he himself gives his secret. Dit le verset 21 de Juges 16. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Vous notez ceci. You note this. L'histoire de Samson, the story of Samson, nous montre clairement, show us clearly, que notre succès dépend de notre fidélité. That our success depends on our life of faithfulness. C'est ce que Paul dit dans 1 Épître aux Corinthiens. It's rather first epistle to the Corinthians. Chapitre 4. Chapter 4. Verset 2. Verse 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. What? Donc, tu dois travailler pour être fidèle à Dieu. You must work to be faithful to God. Dieu ne demande pas autre chose. God does not ask something else. Il a tracé la voie devant nous. He has paved the way before us. Il nous a donné son esprit. And he has given us his spirit. Il nous a donné sa sagesse. He has given us his wisdom. Il nous a donné les signes. And he has given us signs. Les prodiges. And les miracles. Wonders, miracles. Les encouragements. Encouragement. Nous devons seulement lui être fidèles. We must only be faithful to him. Quand nous échouons à ce niveau-là, when we fail at this level, nous serons comme les Samson. We'll be like Samson. Samson fut pris.
Samson was caught. Il fut lié. He was bound. Il eut les yeux crevés. And his eyes was put away en prison. And cast into prison. Même avec les yeux crevés, on lui a fait tourner la meule. Even with the eyes put away out, he was grinding. Dans la prison. In the prison. Les yeux crevés. With his eyes put out. Finalement, il est mort avec les incirconcis. Finally, he died with the uncircumcised. C'était pas le dessein de Dieu. This was not the goal of God. David a battu ses ennemis, il les mesurait avec des cordes. David defeated his enemies and he measured them with ropes. Il a arraché la forteresse. He took the fortress. The fortress. À un moment donné, personne ne s'approchait de lui pour l'attaquer. At a certain moment, no one could come near him to attack him. Et il a commencé à bâtir le pays. And he started building the country. Samson, après quelques petites victoires, Samson, after some small victories, il était déjà entre les mains de l'ennemi, en lié, les yeux crevés, les cheveux rasés. He was already bound and within the hand of the enemy, his eyes put out and his hair shaved. Alleluia. Praise the Lord. C'est un avertissement. This is a warning. C'est une exhortation. It's an encouragement. C'est une prophétie. It's a prophecy. Que personne ne nous trompe. Let no one deceive us. Dieu n'a pas changé. God has not changed. C'est pour cette raison que quand tu lis bien les épîtres, that's why when you read the epistles well, les passages tels que ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, sont nombreux dans la Bible. Ne vous y trompez pas, que personne ne vous séduise. Ne vous y trompez pas, que personne ne vous séduise. Passages like let no one deceive you. Do not be deceived. These passages like this are numerous in the epistles. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. We don't want you to be in ignorance. Parce que un bandit peut te trouver au quartier, commence à te tromper. Because a hooligan can see you in your quarter and start deceiving you. Tenons-nous debout. Let's stand on our feet. Si tu pratiques la masturbation, if you practice masturbation, les Philistins vont crever tes yeux. Philistine will put out your eyes. Ils vont te lier. They will bind you. Ils vont te jeter en prison. And cast you in jail. Si tu bois le vin en cachette, if you drink wine, you hide and drink wine. Les Philistins vont crever tes yeux. Philistines will put out your eyes. Ils vont te jeter en prison. They will cast you into prison. Ils vont te lier. And they will bind you. Si tu vis dans la fornication, if you live in fornication, les Philistins, s'ils ne sont même pas encore sur toi, si tes yeux ne sont même pas encore crevés, ils vont les crever. Even if they have not come upon you, they will come and put out your eyes. Tu n'auras plus de révélation. You will no more have revelation. Tu seras confus et embrouillé. You will be confused. Si tu vis dans l'adultère, if you live in adultery, les Philistins vont crever tes yeux. Philistines will put out your eyes. Ils vont te lier. They will bind you. Ils vont te jeter en prison. They will cast you into jail. Si tu voles les dîmes, if you steal tithes, tu voles les offrandes, you steal offerings, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Each one is a slave of what has triumphed over him. Les Philistins vont t'arrêter. Philistines will catch you. Ils vont te lier. They will bind you.
vont crever tes yeux. And they will put out your eyes. Donc tu ne sais pas que tu es important. Donc et ils savent qui tu es. Donc ils vont te traiter selon ton rang. You do not know that you are important, but they know who you are and they will treat you according to your position. Crie à Dieu. Cry out to the Lord. Dis-lui que tu ne permettras pas qu'on te vole ta position. Tell him that you will not allow that your position be stolen from you. J'ai toujours lu l'histoire de Samson. I always read the story of Samson. Mais quand j'ai préparé le message, but when I was preparing the message, je comprenais qu'il faut être très sérieux. I understood that we must be very earnest. Satan attend les nouvelles. Satan is expecting news. On dit non, il est parti à la réunion d'enseignement. They said no, he went to the teaching session. Est-ce qu'il était à l'heure ou bien en retard? On dit ah, c'est aujourd'hui même il est venu 2 heures avant. Was he on time or late? They said no, even today he came 2 hours before. Même jusque là ils sont dans en embuscade, ils attendent. Even by this time they lie in ambush, they are waiting. Pour que tu trébuches. For you to fall. Et ils vont annoncer la nouvelle. And they will go and give the news. Il est pris. That he has been taken. Première chose, les yeux. First thing, his eyes. Prions. Amen. Venons nous asseoir. Get seated, please. Va traiter durement le royaume de Satan. Go and treat harshly the kingdom of Satan. Mets-toi à part. Set yourself apart. Par ta conduite. Through your conduct. Par tes paroles. By your words. Par ta pensée. By your thought. Par tes plans, tes projets. By your projects, your plans. Tu es plus que Samson. You are more than Samson. Jésus a dit que nous dépassons tous les prophètes. Jesus said that we are more than all the prophets. Tu es grand. You are great. Je suis grand. I am great. Dieu compte sur nous. God relies on you. Oui, nous travaillons. Nous travaillons. Tu le sais.